Thank you.
Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons au nom de Jésus. Nous sommes très heureux de vous savoir nombreux à suivre cette bande. En fait, nous allons vous offrir un travail de qualité aujourd'hui. Ce sont les serviteurs de Dieu du quartier 13 ainsi que de ses environs qui se sont réunis et des concerts avec les pasteurs Choura de la France ainsi que les pasteurs Charles Lessy de la RDC que nous connaissons tous. Ce sont ces gens-là qui se sont ligués tous ensemble pour défier le diable au travers de cette campagne d'évangélisation. Donc, ce travail que nous allons vous offrir, c'est le tout premier du genre ici au quartier 13, à savoir l'organisation de cette grande campagne, de cette grande croisade d'évangélisation qui a regroupé toutes nos églises des réveils ainsi que les églises traditionnelles qui œuvrent ici au quartier 13. Donc, vous allez suivre les images qui vont être réalisées par notre bien-aimé le frère Ford Lema. Et moi qui vous parle, c'est le pasteur Matameso. Je suis chargé de diriger ces services de presse et reportage. Donc nous allons commencer et nous vous convions à suivre le travail et à voir comment Dieu va agir ici ce soir sur le terrain de l'ex-cimetière du quartier 13. Je vous remercie. Alléluia. Amen. Je bénis le Seigneur pour ce moment. Je voudrais que le nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth soit réellement élevé ce soir. Parce que la Bible nous dit qu'il n'y a aucun autre nom qui doit être élevé sous la terre. Parce que quand je vois ce qui se passe ce soir, ça me pousse plus à avoir la crainte de Dieu. Alléluia. Amen. C'est pour cela que je tiens énormément à ce que le nom de Jésus soit élevé. Et que moi je diminue. Et je voudrais tous ensemble, vous et moi, nous puissions tous nous mettre debout afin d'élever le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Glorifions son nom. Prions tous ensemble, bénissons le nom de Jésus. Jésus, je voudrais t'élever ce soir. Je voudrais te magnifier, Seigneur. Car celui qui a vu sur la terre et que toute la langue confessera que tu es réellement le Seigneur. Alléluia. Je tiens, Seigneur, à t'élever ce soir. Paix dans le nom de Jésus. Je viens au nom de Jésus prendre autorité en ce lieu. Au nom de Jésus. Que le nom,
le sud, l'est et l'ouest, Seigneur. Également le centre, soit réellement haut, tu me louanges imprégné de ta puissance divine, Seigneur. Au nom de Jésus. Au magicien, les bienvenus, Seigneur. Mais dans le nom de Jésus, je demande à ce que toutes les personnes qui pratiquent le cultisme soient délivrées. Seigneur, merci car tu es vivant. Tu es réellement Seigneur ce soir. Mon âme te loue, mon âme te bénit. Gloire, louange, honneur à toi. Alléluia. Amen. Amen. Je vais chanter un chant pour la voix de Dieu. Nous allons tous ensemble pour que le nom du Seigneur soit élevé. Avant de commencer le message, après avoir élevé celui qui doit être élevé, je voudrais bénir également les hommes de Dieu du quartier 13. Les remercier. Et remercier également les serviteurs des villes avoisinantes.
pour leur collaboration à cette croisade d'évangélisation. Sans leur aide, il n'y aurait pas eu cette réussite. Que Dieu vous bénisse. Je voudrais également honorer l'apôtre Djadji. C'est un ami, Djadji Pascal, c'est un ami très proche. Qui est souvent avec moi à Paris. Et il est de la Côte d'Ivoire. C'est un homme que Dieu utilise puissamment. Et je sais que nous serons beaucoup bénis également pendant son séjour à Kinshasa. Je le demanderai de se mettre debout et nous allons applaudir. Amen. Je suis venu également avec mes enfants spirituels et qui sont venus avec moi. Je les demanderai de se mettre debout. Nicolas et Maïva. Alléluia. Amen. Mais ce soir, le royaume des ténèbres a un problème sérieux. Alléluia. Amen. Vous savez, ce n'est pas un hasard si on est là ce soir. Si Dieu a permis que cette croisade ait lieu en ce lieu, précisément à l'emplacement où il y avait l'ancien cimetière de quartier 13, je pense que Dieu sait pourquoi. Et pendant que j'étais à Paris, le Seigneur m'a donné un message qui va de pair avec cet emplacement. Et je sais pourquoi le Seigneur a permis cette rencontre. Dans le livre d'Ézéchiel 37, à partir du premier verset, la Bible nous dit: la main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta par son esprit et me déposa dans le milieu, au milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux, tout autour. Et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée. Et ils étaient complètement secs. Il me dit: fils de l'homme. Dieu me dit, fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Je répondis: Seigneur, tu le sais. Alléluia. Amen. Le prophète Ézéchiel, c'était un prophète que Dieu a élevé à son époque. Et il est dit que l'Esprit de Dieu l'avait transporté. C'est-à-dire que son esprit a été transporté spirituellement. Et Dieu l'a déposé au milieu d'une vallée remplie d'ossements. Ces ossements étaient dépourvus de la chair. Les ossements des os étaient dépourvus des nerfs. Les os étaient dépourvus de l'esprit. Et la Bible nous dit que Dieu l'a placé bien au milieu de ses ossements. Il s'est retrouvé dans un endroit où il n'y avait point de vie. Il était le seul à vivre, à avoir la vie en lui. Et quand une fois que Dieu l'a placé au milieu de ses ossements, Dieu va lui poser la question suivante: fils de l'homme, ces eaux vont-ils revivre? Ézéchiel est un humain.
Bomoto. Il était limité. Il ne pouvait pas, il ne pouvait rien faire. Cette question l'a dépassé. Cette question a dépassé sa force. Et il n'avait pas d'autre réponse que de dire, Seigneur, tu le sais. Dieu étant omniscient, il sait toutes choses. Et Ézéchiel connaissait parfaitement son Dieu. Et la Bible nous dit, Dieu va lui répondre. Dans le verset 6, dans le verset 4, il me dit, fils de l'homme, prophétise de tous ces eaux. Et dis-leur, ose ma desséchée, écoutez la parole du Seigneur. La première des choses que Ézéchiel devait faire, c'est de prophétiser, de dire à tes autres semences qu'ils devaient écouter la parole du Seigneur. Donc par là, nous comprenons que la parole du Seigneur n'est pas limitée par la mort. Quelles que soient les difficultés, la parole de Dieu peut atteindre, peut aller au-delà des difficultés. La Bible nous dit, dans leur détresse, il criait à l'Éternel. Dieu envoya sa parole. Et sa parole est délivrée. Et la Bible nous dit, au commencement était la parole de Dieu. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et la Bible dit également, rien de ce qui a été créé n'a pas été créé sans elle. C'est-à-dire la parole de Dieu. La parole est ta créatrice. Ses ossements devaient l'écouter. Car la Bible dit également, dans Romains 10, 17, que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on vient de la parole de Dieu. Ses ossements dans leur détresse. Ses ossements devraient écouter la parole de Dieu. Non seulement elle est créatrice, mais elle est également génératrice de la vie. Elle est également la source de la foi. Oh, la Bible dit que sans la foi, il est impossible de plaire au Seigneur. Parce que Dieu étant dans un domaine surnaturel, et nous dans le domaine naturel, pour accéder au domaine naturel du domaine. Du domaine naturel au domaine surnaturel, il nous faut la foi. Bon, Colombo, le domaine où il y a vision naturelle. Comment dans le domaine surnaturel, et c'est la foi, la Bible nous dit que la parole suscite la foi. Quand il vivait, la Bible a vu cette l'île-là, n'est-ce qu'il n'y a qu'à l'île-là. Devait écouter la parole du Seigneur. Quand il vivait, la Bible a vu cette l'île-là. Alléluia. Amen. Dieu n'a pas donné l'argent. Zamba fait ce qui me solotait. Dieu n'a pas donné autre chose que la parole de Dieu. Zamba fait ce qui est l'eau comme sous ce sang qui était l'île-là. Car la parole a tout créé. L'île-là n'est la camion. Alléluia. Amen. Et la Bible dit dans le 5. Dieu dit maintenant, ainsi par le Seigneur. L'Éternel. À ses eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. La parole de Dieu est sortie. Maintenant les ossements ont commencé à écouter la parole de Dieu. Et cette parole c'est quoi? C'est que Dieu va mettre un esprit en eux. Dans la Bible nous dit, la chair ne sert à rien. Mon souvenir est de l'autre côté.
La chair ne sert à rien. Mais mon souvenir est de l'autre côté. Mais l'esprit vivifie. Alléluia. Amen. La Bible dit il envoya son esprit. Et ils sont recréés. La Bible dit que l'esprit de Dieu amène à la vie. Christ est une agence 6. Il dit la chair ne sert à rien. La chair ne sert à rien. Mais l'esprit amène à la vie. Dieu maintenant va promettre à ses ossements qu'il mettra en eux un esprit. Et ils les réviveront. Alléluia. Amen. Et la Bible nous dit ceci. Je vous donnerai dans le site de nerfs. La première des choses. Je promets les nerfs. La deuxième chose. Je ferai croître sur vous la chair. La troisième chose. Je vous couvrirai de peau. Je mettrai en vous un esprit. Et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Et c'est moi qui donne la vie. C'est moi qui la reprends. Alléluia. Amen. Je promets quatre choses à ces ossements. Et la Bible nous dit, dans le 7, je prophétise selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme je prophétisais, il y eut un bruit. Le même bruit qui va se réaliser lors de la Pentecôte. Le bruit d'enfant impétueux. Le bruit d'enfant impétueux. Ce même bruit qui accompagne les enfants lorsqu'ils viennent au monde. Qui prouve que les enfants sont vivants. Ce bruit nous dit que pendant qu'il prophétisait, le bruit a commencé à se faire entendre. Pendant qu'il prophétisait, la première des choses, c'est le bruit. Et la deuxième chose, elle nous dit, il se fit un mouvement. Alléluia. Alléluia. Amen. La Bible nous dit dans Genèse, que l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. L'Esprit de Dieu, c'est un esprit qui bouge. Lorsque Ézéchiel a commencé à prophétiser, il y a eu du bruit. Il a entendu ce bruit. Le mouvement a commencé à se faire. Alléluia. Amen. Ces ossements commencent à se rapprocher les uns des autres. Et dans 8, il dit. Je regardais et voici il leur vint des nerfs. La chair crue. Et la peau est couvrie par-dessus. Mais il n'y avait point en eux d'esprit. Là Dieu va encore ordonner à son prophète. De prophétiser. Dans le verset 9, il dit, il me dit, prophétise et parle à l'esprit. Parle à l'esprit. Prophétise vie de l'homme. Et dis à l'esprit. Ainsi parle le Seigneur. Esprit. Viens de quatre vents. Souffle sur ce monde. Qu'ils le revivent. Alléluia. Amen. Nous savons dans le monde qu'il y a quatre points cardinaux. Il y a le nord. Il y a le sud. L'est et l'ouest. C'est en forme de carré. Et Dieu maintenant a dit à son prophète. Benzamba, fils de l'homme. Parle à l'esprit. Parle à l'esprit. Dis au vent. De souffler les quatre coins.
terminé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il dit que l'homme prophétise. Alors bien témoin dans le moto sacola. Que l'esprit vient du nord. Et c'est mon lima ou tananga pour les gens du sud. Et où est mon sud. De l'est et de l'ouest. Et le mon est et de l'ouest. Et qu'il souffle sur ses ossements. Les ossements qui ont eu de la pose des mères et ainsi de suite. Alléluia. Amen. Au début, je vous disais que c'est un message prophétique. Car nous sommes exactement dans le quartier 13. Et c'est le dernier quartier de la zone d'Njili. Et si vous prenez le 13, vous additionnez 1 et 3, ça fait 4. Personne qui aussi 13 au sanctifié à moi est comme 4. Si tu veux une addition, 1 plus 3, ça fait 4. Ce conseil au sanganiya, 1 plus 3, il y a moins petit 4. Alléluia. Amen. Est-ce que le Seigneur me révèle? Ben Zamba, ça colle du sabouille. C'est qu'il y a eu une concentration forte de sorciers au sein de cette zone. Précisément dans le quartier 13. Mingi awa le quartier 13. Vous remarquerez. Il y a beaucoup de gens qui n'évoluent pas dans ce quartier. Ezaina bato mingi makambo etambo la kalisu soute. Rien ne marche. Makambo eza kotala malamu te. Parce qu'il y a un aéroport dans ce quartier démoniaque satanique. Pote ezaina aéroport moko ya bandoki kati na quartier oyo. Alléluia. Amen. Le diable, Satana, avec ses agents, avec ses démons, et le monde démon, vous possédez la zone d'Njili. Ils ont choisi le quartier 13. Ils ont établi leur état-major. Alléluia. Amen. Ce qui fait que. Ici, à l'emplacement où nous sommes même là, où il y a eu l'ancien cimetière, il y a eu beaucoup de magiciens qui ont fait de la sorcellerie ici. Il y a beaucoup de gens qui sont enterrés ici spirituellement. Il y a la richesse de beaucoup de gens qui ont été enterrés ici. Il y a beaucoup de famille dont la santé a été volée et enterrée ici. Parce qu'il y a eu beaucoup de sorciers qui venaient de tout le pays pour venir faire des sacrifices ici. C'est pour cela qu'ils ont choisi ce quartier 13. Pour lier toute la zone d'Njili. Ce qui fait que dans la zone d'Njili, il n'y a personne qui perce même spirituellement. Parce qu'il y a une forte concentration de la puissance démoniaque. Concentré à ce même emplacement. Et comme Dieu avait dit à Ézéchiel, fils de l'homme prophétise. Alléluia. Amen. Il y a eu les anciens maires de ce quartier. Qui ont fait des pactes avec Satan. Lorsqu'il y avait encore ce cimetière. Pour lier toute la zone d'Njili. Il y a eu beaucoup de sacrifices des enfants, des bébés. Beaucoup de sang qui a coulé ici. Et ce qui fait que le diable avait pouvoir sur cette zone. Une atmosphère lourde était au-dessus de cette zone. Et ils ont pris les 4 points cardinaux. Dans 4 points cardinaux, ils ont mis des princes. Ce que la Bible appelle les principautés. Et l'Esprit de Dieu me montre ça. Les principautés ont chacune une clé. Ce qui fait qu'ils ont lié beaucoup de familles, beaucoup de gens. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais je sais une chose. Que le vent va souffler de 4 coins cardinaux. Mon peuple n'a jamais compris qu'on a mon nom.
Gloire au Seigneur. Et que toutes les alliances conclues avec le monde ténèbres. Toutes ces alliances seront paralysées. Parce que je connais un homme qui était venu en chair et en os. Qui a versé son sang. Cet homme qui était humble. Qui est né dans une étable. Qui a été déconsidéré. Qui a pris la forme humaine. C'est lui qui a créé toutes choses. Il s'est humilié. Il a pris la forme d'un serviteur. Et cet homme, la Bible nous dit, arrivé à l'âge qui devait mourir pour le sacrifice du monde entier des hommes, il a donné sa vie à lui dit. Il a versé son sang à la croix. Il était dévidé de son sang. Et trois jours après, pendant que le monde est ténèbres, la fête battait plein. Pendant que le monde était ténèbres, le diable pensait qu'il avait tout accompli. Satan a qualifié de Macambo et Sili. Il avait vaincu. Et à Longi Mokili. Il avait pris la domination. Et à Yemiko Konza Mokili. Parce que c'était le dernier Adam. La fête battait son plein. Pendant que les sorciers dansaient. Pendant que le diable dansait. La Bible nous dit que la terre ne pouvait pas le contenir. Tellement qu'il est puissant. Tellement qu'il est puissant. La terre l'a vomi. La Bible dit qu'il était impossible qu'il soit retenu par les liens de la mort. Et lorsque le troisième jour est arrivé, le diable commence à se poser des questions. Parce que la terre commençait à gonfler comme de la pâte qui gonfle. Alléluia. Amen. Le troisième jour, la Bible nous dit, qui est sorti du tombeau, avec un corps glorieux. Et dans le livre d'Apocalypse 1, Alléluia. Amen. Et dans le livre d'Apocalypse 1:18, il va se révéler à son serviteur Jean. Il va lui dire, voici mon serviteur, j'étais mort. C'est vrai. Pour vos péchés, pour vous racheter de la mort, de la malédiction, de la condamnation. Et voici, je suis revenu à la vie. Alléluia. Amen. Il dit, je tiens. Merci. Je tiens. Les clés de la mort. Je tiens les clés de la mort. Et du séjour des morts. Alléluia. Amen. Il dit, allez-y prêcher la puissance de la résurrection. Il dit, celui qui croit en moi, verra les œuvres que j'ai faites. Et il en fera de plus grand. Parce que je m'en vais au Père. Alléluia. Amen. Et je sais cet homme-là est encore vivant aujourd'hui. Il le sera encore demain. Et après demain. Tout est bon. Alléluia. Amen. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Gloire au Seigneur. Mettez-la encore ma boîte, ma casse. Mettez-la encore ma boîte. Les gens enterrés ici, les gens enterrés par la famille, ce soir, par l'Esprit de Dieu, ils vont te ramener à la vie. Alléluia. Amen. Il y a quelqu'un là-bas, une femme. Marie-Claire. Comment est-ce que Marie-Claire? Là. L'Esprit de Dieu va te libérer ce soir. Fils de l'homme, prophétise, dis à l'Esprit, souffle. Dis, je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné. Et l'Esprit de Dieu entra en eux. Et ils reprirent vie. Et ils se tairent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Et Belaki, tout le coup n'a
bato e belle penda koleka. Alléluia. Amen. Écoutez bien. Yokanga malam. Le Dieu que je sais, c'est un Dieu réellement vivant. C'est un Dieu qui agit de la même manière qu'il a agi au temps des apôtres. Passé dans Jean 5, 17, Jésus a dit une chose. Mon Père agit jusqu'à présent. Et moi aussi j'agis. Alléluia. Amen. Jésus ce soir agira. Jésus le loco comme ça. La Bible nous dit, là où s'arrête la force humaine, là où s'arrête la sagesse humaine, là où s'arrêtent les moyens humains, et c'est là qu'il commence justement la puissance de Dieu. Dieu n'agit jamais dans la facilité. Dieu agit lorsqu'on est devant une difficulté insurmontable. C'est là que Dieu va se révéler. Pour nous prouver sa toute puissance. La Bible l'appelle El Shaddai. Le Dieu tout puissant. Le Dieu d'Abraham. Et ce soir, si tu crois réellement cela, si tu crois la parole révélée de Dieu, si tu ouvres ton cœur réellement à celui qui est mort à la croix et ressuscité pour toi, Jésus va te sortir de ta situation. Ça ne sera pas parce que tu donnes la dîme. Ça ne sera pas parce que tu donnes de l'argent. Ça ne sera pas parce que tu es sur les pieds des hommes de Dieu. Comme beaucoup l'ont fait croire. Les gens donnent l'argent qu'on reçoit la guérison. Et c'est en essuyant les pieds des hommes de Dieu que tu seras béni. Mais c'est en ouvrant ton cœur à celui qui est mort à la croix et ressuscité pour toi. Et ce nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et ça nous voit ton cœur. Quand la Bible dit, quand la foi est impossible, ce lieu est agréable. Alléluia. Amen. Dieu donne maintenant la signification de cette révélation. Kolimbola. À ton prophète. Il me dit, fils de l'homme. Ces autres, toute la maison d'Israël, ils disent, nos eaux sont desséchées, notre espérance est détruite, nous sommes perdus. Combien ce soir se sont déclarés vaincus? Combien ce soir sont déclarés vaincus par l'ennemi, par la maladie, par la condamnation? Combien se sont dit, moi, je ne pourrai plus voyager? Parce que je fais plusieurs tentatives. Je suis perdu. Alléluia. Amen. Je dis, fils de l'homme, c'est justement de la maison d'Israël. Et ce soir, Dieu dit la même chose. Tant que tu n'es pas mort, quelle que soit la grandeur, la gravité de tes problèmes, mais sache une chose. La Bible nous dit que notre Dieu est tellement grand que les cieux des cieux ne peuvent pas contenir sa grandeur. Alléluia. Amen. Quand on regarde les cieux, elle nous dit les cieux racontent la gloire de l'Éternel. Ton problème est minime par rapport à la grandeur de Dieu. Ton problème est petit par rapport à la grandeur de celui qui a donné sa vie pour toi. Alléluia. Amen. Et Dieu dit, dis-le. Fils de l'homme, dis-le. Que je vous sortirai de votre tombeau. Je vous ouvrirai vos sépulcres. Vous en sortirez de ce sépulcre. Je vous remplirai de mon onction. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu n'a pas dit, on est payé d'abord pour avoir l'onction. Il faut faire une offrande. Pour avoir l'onction, pour avoir mon esprit,
Il a dit une chose. Il a dit une chose. Fils de l'homme. Dis-leur. Je le ferai. À condition qu'il croit en moi. Il est dit dans la parole de Dieu. Celui qui croit en lui ne sera point déçu. Celui qui marche selon sa parole ne sera point déçu. Alléluia. Amen. Et ce soir, Jésus est là pour toi. Ce soir, je veux te dire une chose. Si tu veux réellement voir le changement dans ta vie, sache une chose. Pour que tu libères sincèrement ton cœur. Car Jésus a dit dans Matthieu 11, 28, venez à moi, vous tous êtes chargés et fatigués. Toi qui es fatigué à cause de ton fardeau. Toi qui es fatigué à cause de ta maladie incurable. Toi qui es fatigué à cause de la pauvreté. Jésus a lancé un appel général. En disant, venez à moi. Vous qui êtes premièrement chargés. Car lorsqu'on est chargé, à force de marcher avec cette charge, on finit par être fatigué. Tu vas te fatiguer. Mais Jésus te lance un appel. Ce soir. Ce soir. Ouvre ton cœur réellement à la parole de Dieu. Et Jésus changera ta position. Car il n'y a point, de désespoir avec le Seigneur. Il n'y a point de désespoir avec le Seigneur. La Bible dit pour ceux-là qui sont en Christ dans Romains 8:1, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en lui. Alléluia. Amen. Je suis sûr et certain ce soir. Si tu ouvres ton cœur à la parole du Seigneur, si tu acceptes Jésus-Christ de Nazareth, pas un prophète. Pas moi, je suis mortel. Et si tu acceptes celui qui était mort et qui est sorti du tombeau, si tu l'as fait sincèrement ce soir, Jésus changera ta situation. Alléluia. Amen. Là, il a le pouvoir sur la mort. Il tient les clés de la mort maintenant. Et notre Dieu règne. Il est réellement vivant. Alléluia. Amen. Il va changer ta position ce soir. Il va changer ta situation ce soir. Alléluia. Amen. Vous savez ce qui se passe là? Vous voyez, il y a des esprits démoniaques qui commencent à m'embêter. Je voudrais d'abord faire appel à ceux-là qui veulent réellement accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Sur tous ces esprits. Alléluia. Amen. Il y a même parmi nous un groupe de sorciers. Qui veut pour attaquer, mais l'Esprit de Dieu est en train de tout contrôler. Alléluia. Amen. Il y a même au milieu de nous des gens qui pratiquent la magie, qui sont venus pour voir. Mais l'Esprit de Dieu me dit, mon fils, je le contrôle dessus. Reste calme. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je sais une chose. Après mon départ, les sorciers seront bien confondus. Alléluia. Amen. Je sais une chose. Après cette croisade, les églises de quartier 13 vont être débordées. Parce que la puissance de Dieu va t'abattre sur ces églises. Alléluia. Rejetés seront élevés par l'Esprit de Dieu. Car Dieu me dit, mon fils, je vais prendre les choses des villes du monde pour confondre les fortes, les choses des faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu me dit, mon fils, je vais leur ouvrir des portes sur l'Europe. Alléluia.
Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. À lui la gloire. A lui la puissance. Je voudrais premièrement faire appel aux gens qui veulent réellement donner leur vie à Jésus-Christ de Nazareth. Qui veulent l'accepter comme Seigneur et Sauveur. Toi qui pratiques la sorcellerie. Toi qui pratiques la magie. Sache une chose. Que ta vie ne tient qu'un fil. Et si Dieu coupe ce fil, tu passeras. Demande-toi, pose-toi une question. Combien de gens qui ont pratiqué la sorcellerie et la magie avant toi? Et aujourd'hui, ils ne sont plus là. Ils sont morts. Pense à ta vie. Après la mort, car il est dit, aujourd'hui si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Alléluia. Amen. Je voudrais appeler devant les gens qui veulent donner leur vie à Jésus-Christ de Nazareth afin qu'ils puissent recevoir la vie de Dieu. Et après, l'Esprit de Dieu fera ce qu'il fera. Pendant que les musiciens nous chantent un chant, tous ceux qui veulent accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de leur vie personnelle, vous allez avancer. Et vous allez accepter le roi des rois. Et vous allez recevoir la vie de Dieu. Ah, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alléluia. Amen. Je demande aux gens qui veulent accepter le Seigneur, il n'y a pas de honte à avoir. Dieu t'attend. Avance et accepte ton Seigneur afin de recevoir la vie. La vie de Dieu. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Seigneur vous attend. Ne copo quoi la lelo ezali ayo. Ya ka lelo ezali ayo de konangai. Ezali kaka na mokolo moko de moto ko iko ya manzambe. Pepo mo ina ye bongwana. Ya ka lelo ezali ayo. Kolo Yesu pensa ki bo mo ina ye na tina na yo. Pesala na nzela na mosali na ye. Aye kotali sa yo bolingo monene ya prouva ki pona bo na bo mo ina yo. Ne konangai pusana na popa oyo. Lelo ezali ayo. Kota la mopandite. Merci pour la maman à Poussani. Merci pour la Ndekonango Saiko Poussana. Zambé à Pambola yo. Poussana Ndekonangai. Poko na lelo ezali a yo. Merci pour la Ndekonangai Eliboso. Gloire au Seigneur. Qui sait, peut-être demain tu ne seras plus là. Nenyo yebiye te soki tam sou lobio ko sa soussouté. Le jour. Lelo ezali a yo Ndekonangai Poussana. Gloire au Seigneur. Alléluia. Nani a koiko tali sa yobo lingo yo soki Yesu Messie ate. Nani a koiko futa nyongo yali ete de konangai. Andimaki a kute la yo nyongo. Asopa ki makila ne kuruso. Pote lelo yo viki sa mande konangai. Fongola motema. Epa ina nkolo. Alléluia. Sale amai. Molu na yo. Thank you.
si nous comme là vous. Nanga. Parce que vous avez répondu à l'appel. Vous devez savoir une chose. La Bible nous dit que à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lesquels sont nés ni de la volonté de l'homme, ni de la volonté de la chair, et ni de la volonté du sang. Ce soir, vous avez pris une grande décision qui va déterminer la réussite de votre vie spirituelle. Car Paul nous dit dans la Bible que les choses naturelles, les choses visibles sont passagères. Mais les choses invisibles sont éternelles. Ce que vous avez fait, l'acte que vous avez fait ce soir, dans le ciel, selon la Bible, une grande fête. Et fête mon salamikuna. Ma joie est comblée, ma joie est parfaite. Et c'est mon ange qui a condamné sa mapenza. Quand je vous vois, dans mon amour, ce sont les confets de ta bouche, le Seigneur Jésus-Christ. Donc qui t'a donné la monoko na yoko na Jésus-Christ. Et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a resté des morts, et tu es au milieu de mon temps, mon ange, tu es dans ma, c'est tout ça, il n'a pas ouvert. Tu seras sauvé. On copie qui ça?
Dès l'instant où tu vas accepter le Seigneur, tu vas avoir la vie éternelle. Tu auras l'espérance du salut. Et tu vas apprendre à vivre par la foi. Avec votre cœur. Parce que la repentance c'est sincère. C'est celle du cœur. Seigneur Jésus. Ce soir, j'ai entendu ta voix. Je reconnais, Seigneur, que je suis pécheur. Né dans le péché. Et que sans toi, je n'aurai point de vie. Je dirigeais ma vie personnellement jusqu'à ce soir. Et ce soir, je viens devant toi. Car tu as dit, venez à moi. Vous tous qui êtes chargés et fatigués. Et je vous donnerai du repos. Je t'accepte ce soir. Je te donne ma vie. Conduis-la. Dirige-la. Et tu as dit, si je t'accepte, tu me donneras le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et ce soir, je t'ai accepté. Je suis devenu enfant de Dieu. Je ne suis plus condamné. Merci pour le pardon de mes fautes. Pour ton sang précieux qui m'a lavé. Je confesse la victoire. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Il faudrait pas, frères et sœurs, prendre à la légère cet engagement. Je vous demanderai sincèrement de donner réellement vos adresses correctement. Car ça ne sert à rien. Tu ne mentiras pas aux hommes. Mais tu te mentiras à toi-même personnellement. Premièrement. Et après à Dieu. Je vous fais confiance. Car c'est votre vie qui en dépend. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alléluia. Amen. Merci. Je reviens tout à l'heure. Après les offrandes, pour libérer l'Esprit de Dieu dans l'Assemblée. Et vous allez voir comment l'Esprit de Dieu se manifeste. Pour que les gens de Sida soient guéris. Les gens qui ont la tuberculose soient guéris. Que les gens qui ont des problèmes des yeux guérissent. Que les sourds se mettent en temps de nouveau. Alléluia. Amen. Que Jésus là, ne partait pas. Nous voulons vivre de la gloire du Seigneur. Alléluia. Amen. Mettez-le encore dans ma boca, mettez-le encore dans ma boca. Alléluia.
Amen. Une telle onction de Dieu ici. Et pourquoi nous avons ici Kakati na Misikoye? Une telle puissance de Dieu ce soir. Beaucoup de gens seront délivrés de la puissance de la maladie, de la puissance de la mort, de la puissance des ténèbres. Oh Jésus, merci. Oh Yesu, pour ton peuple, Seigneur. Ce peuple n'est jamais tant, Seigneur Dieu. Seigneur éternel et Dieu. Oh, Nkolo Nangai. Toi qui m'as envoyé en ce lieu. Yo no tinda kingai ko yakati na bisiko. Je viens devant ton trône. Na ye liboso. Afin de te présenter au Dieu. Mpona kotali sa ye libota. Ce peuple au Père. Libota yo nzambe Nangai. Que ton fils a acquis. Oh, yo mwana na yo yeba kila konsua. Ah, ton sacrifice douloureux à la croix. Na nzela na mbeka na ye na pati le koloso. Ce sacrifice tellement douloureux, Seigneur. Ce peuple pour qui tu as donné ta vie, Seigneur Dieu. Ce peuple qui a répondu à l'appel ce soir. Saint-Esprit. Toi qui es mon associé, yo no sarakana na mosale longo. Yo no lo bakina ngai. Je serai avec toi. Na kozale longo na yo. Ce soir. Na poko oyo. Demain. Lobi. Tous les jours. Pelibela libela. Ce soir. Kasi na poko oyo. Saint-Esprit. Moli mama santu. Je viens te laisser. Na ye komenga yo. La place. Koti ke tika na ngai. Il te regarde. Oye zongi e pai na yo. Sans toi. Oh na nzela na yo. Je ne suis rien. Na zaye lo kote libo. Sans toi. Ce qui est papa, je ne peux rien faire. Toi qui m'envoies dans le monde, et ce soir, Saint-Esprit, je te demande une chose. Viens avec moi. Et ensemble, et toi et moi, élevons celui qui doit être élevé. Jésus-Christ de Nazareth. Car il a dit lorsque tu seras venu, tu glorifieras son nom. Et je veux ce soir que le nom de mon maître soit élevé. Afin que le monde voit que tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et ton zali, le lobby fait libérer la libéra. Comme Paul disait, le lengue tombe en Paul à l'obaki. Ma parole, et c'est le banangai. Ma prédication, et c'est l'idée à l'angai. Ne répondez point. Et c'est le copain à l'icolote. Sur des paroles persuasives. Namaloba, et c'est le concept de l'isanité. Sur la démonstration de la puissance de Dieu. Car c'est l'icolote, l'isanguyen, l'isambé. Saint-Esprit, voyez mon message. Je demande maintenant. N'atteignez aussi qu'à. Que ton onction soit inférieure. Et par quoi? Nous allons élever nos mains. Pendant que je parle, le Saint-Esprit est en train de toucher. De manière au protocole. Bien veiller. Conformer la mise au pendant. Il y en a qui vont courir jusqu'à devant ici. Sous l'onction de Dieu. Pendant que je parle, la puissance de Dieu arrive. L'Esprit vient. Et de l'Ouest. De l'onction de Dieu. Et pourquoi l'Esprit roule en ce lieu? Est-ce que moi au nom de Jésus? Voilà la puissance de Dieu qui arrive. L'Esprit de Dieu est en train de travailler. Et comment on va quitter les actes? Écoutez la vérité. Voilà comment l'Esprit agit maintenant. Voilà comment l'onction agit maintenant. Voilà comment l'onction agit maintenant. Voilà comment la puissance de Dieu. Il a marre.
Il y a des choses qui se passent ici. Toi, lève-toi maintenant. Laisse-le tous les dieux. Laisse-le te toucher. Laisse-le te toucher. Mon fils. Il y a des miracles qui s'opèrent maintenant. Il y a des yeux des aveugles qui commencent à s'ouvrir. Il y a des oreilles de sourds qui commencent à s'ouvrir. Dieu me dit, mon fils, il y a des boiteaux qui commencent à se lever. Ma puissance arrive en ce lieu. Dieu me dit, mon fils, il y en a même qui sont boiteux. Ils vont sauter ce soir. Dieu me dit, mon fils, je suis en train de réveiller, de renouveler mon peuple. Je me dis, au milieu de ce peuple, et des évangélistes, je me dis, mon fils, je le crois. Je le crois. Car c'est pour cela que je t'ai envoyé ici. Dieu est en train de prendre ton peuple. Il y a une onction prophétique qui arrive ici. Dans la foule, il y a une onction qui est en train de se faire foule là-bas. Même derrière moi, il y a une onction prophétique qui arrive. Tous ceux qui ont l'esprit de prophétie, je me dis, mon fils c'est Jean, Dieu me dit, mon fils, je les touche. Je les touche. Voyez comment l'onction de Dieu arrive ici. Comment l'onction de Dieu se situe dans ce lieu. L'onction prophétique arrive ici. Il y en a qui sont saisis par l'onction prophétique. C'est Jésus. Il est mort au Merci Zambé. Car tu libères ta gloire. Poto Kangoli Libotana. Tu libères ta gloire. O Kangoli Kembona yo. Tu libères ta gloire ici. O Kangoli Kembona yo. Tu libères ta gloire ici. O Kangoli Kembona yo. Yana. Et Zaina Baroyo. Il ne parlait plus en larmes. O Kangoli Kembona yo. Je me dis, mon fils, je remplis. Je remplis cette masse. Na Tondi Chetulukuna Batoyo. De ma gloire. Na Kembona Ngai. 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 Reste avec. Alléluia. La gloire de feu. Saint-Esprit. Je sais que tu es là. Tu simba. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia. Je touche. Jamais à Kosimba. 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 Je touche. À Kosimba. Les démons commencent à quitter les corps. Les démons ne sont plus dans le ventre. Il y a des démons de sorcellerie. Les démons ne sont plus dans le ventre. Mon père me dit. Jamais le vinangai. Mon père me dit. Jamais le vinangai. Mon père me dit. Papa n'a pas le vinangai. Amen. Amen. Il envoie une onction. Vous brisez les liens de la sorcellerie. La puissance de la puissance de la puissance de Dieu arrive pour confondre la sorcellerie. Dieu me dit, mon fils, j'envoie une onction terrible maintenant. De la sorcellerie. La sorcellerie était. La sorcellerie était. La sorcellerie. Regardez comment Dieu délivre. Une telle onction de la délivrance ici. Et une telle onction de la délivrance. Yeah.
Katinga, Katinga Masumu. Peto linga ina makila na yo, peto langa I peto langa yawe. Hallelujah. Oh peto langa I peto langa yawe. Je te bénis, Saint-Esprit. Na pambolio pona misala na yo. Pour ce miracle que tu es en train d'accomplir dans ce lieu. Pona bikamo uti ko sala kati na misi ya. Tu es en train d'accomplir dans ce lieu. Mpe osali kokoba ko sala. Dans le nom de Jésus. Na kombo na Yesu. Dans le nom de Jésus. Na kombo na Yesu. L'Esprit de Dieu me dit. Moyimo na nzambe lobi na ngai. Toutes ces femmes qui avaient des problèmes de stérilité. Basi onyonso bazana ki mabota. Pendant que je me pose ma main sur mon ventre comme ça. Tango na tie loboko na ngai na libumu na ngai boye. La puissance de Dieu est en train de toucher ces femmes. Toutes les femmes stériles, voilà, je pose ma main comme ça. L'Esprit me dit, je touche. Voyez ça. Dieu est en train de toucher ces femmes. Dans le nom de Jésus. 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 Merci pour ce miracle, Seigneur. Merci pour ce miracle,
Dieu. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Amen. En face de moi. Vous allez me regarder, s'il vous plaît. Élevez vos mains vers le Seigneur. Vous êtes ici en face de moi. Je veux que Dieu a appelé. Qui résiste à la paix de Dieu. Il y en a aussi parmi vous en ce lieu-là. Des gens que Dieu va poindre. De manière particulière. Pour allumer le feu. Au sein de cette grande église. T'appelles, toi qui es là. Touche mon front comme ça. L'onction de Dieu te touche. L'onction de Dieu te touche. Maintenant je touche mon front. La gloire de Dieu arrive sur toi. Il y en a qui pensent qu'ils vont résister à cela. Mais ils ne vont pas résister. Parce qu'il y a une telle gloire de Dieu. Dieu n'attend d'appeler des gens. Gloire des gens. Avec une telle onction. Avec une telle onction. Allez, c'est parti.
Regardez. Ah ouais. Ah ouais. Vous ne battez pas comme des malades. Regardez. Regardez. Dala. Mes enfants. Attaque au ban. Regardez bien. Hein. Dala. La gloire de Dieu arrive ici. Dala. Regardez bien. Dala n'a pas la gloire de Dieu arrive ici. Dala. Yambanguya. Yamba. Yambanguya. Yambanguya. Regardez. Yamba. Amplie ton peuple. Donnez ce touche ton peuple. Au nom de Jésus. La commande est. Alléluia. Je vais être équipé. Donnez ce touche particulier. Et pas quoi les mots sous. Il y a beaucoup de sorciers ici. Et j'ai la bagno qui est là. Yamba, pas quoi les jambes. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Au nom de Jésus. Gloire à toi. Que ton nom soit, Seigneur. Alléluia. Que ton nom soit, que tu sois ici. Dieu te demande de les guérir maintenant. Je maman. Je demande de les guérir maintenant. Azobi Kissa. 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 De les guérir maintenant. Azokangola. De les guérir maintenant. Azobi Kissi. Merci.